dans l'élégance et de la classe. Comme je peux dire, quelqu'un qu'on... Ils ont dansé le soudou. Ils ont dansé le coupé décalé. Mesdemoiselles, messieurs, vous avez l'honneur de recevoir aujourd'hui un grand monsieur sociopolitique, un grand monsieur, je ne vais pas dire son tout de suite. Ce monsieur était comptable de métier et aujourd'hui, il est à la tête de beaucoup d'associations ici à Paris. Ce monsieur s'appelle Simao Bokolo. Qu'on applaudisse très fort, Simao Bokolo, s'il vous plaît. Applaudissez très fort Simao Bokolo. Simao, bon, en français c'est Simon, mais en portugais, parce qu'il est de l'Angola. En Angola, on parle le portugais. Ah, bon, voilà. Et Bokolo, monsieur Bokolo, a fait la première assemblée extraordinaire de la délégation du présidium de. Ceux qui dirigent toutes les associations angolaises ici en France le 29 mars à Nanterre, on a assisté à une réunion extraordinaire, vraiment avec une réussite à 100%. Tous les corps diplomatiques étaient présents, c'était impressionnant, et tous les Angolais ont marqué leur présence vraiment, et ils ont marqué leur confiance à leur président. Monsieur Simon, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Oui. Très bien, je viens. Bonsoir. Ça, c'est ta caméra. Oui. Tous les téléspectateurs sont là, en train de te Merci. Regarder. Donc, je suis Brigitte Neto. Oui. Présidente de l'association Kamundongo. Ok. Qui s'occupe de la culture angolaise en France. D'accord. Et mademoiselle? Bonsoir, je suis Rosa Florbella, je fais partie de l'association Kamundongo en France. Donc je suis en collaboration avec Madame Neto, Brigitte. D'accord. Donc vous faites partie des, je crois, 100 associations qui sont sous ta coupole. Oui. Une centaine. Hein. Il y a une centaine qui sont inscrits, mais dans l'objectif, il y en a encore plus. Mm-hmm. Bon, l'objectif est que nous créions une synergie autour de ça. Oui. Donc, pour l'instant, nous sommes autour des 100 associations. D'accord. Bon, ce que les téléspectateurs veulent savoir, alors je les rappelle que vous êtes sur les plateaux de télévision Clin d'œil dans l'émission Planète des Stars. Le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est 01 48 95 03 15 et vous appelez directement sur le plateau pour poser des questions à mes invités qui sont Simon Bokolo et Nieto et Angel... Rosa. Donc voilà, chers téléspectateurs, on est à votre disposition. Maintenant, Simon va vraiment vous expliquer ce que c'est que la CAF. La CAF, c'est la Confédération des associations des Angolais en France. Ce n'est pas le président des Angolais en France, de la Confédération des associations. Ça fait deux choses différentes. Bien entendu. Oui. Bon, nous réaliserons des actions communes, telles que des festivals, où il y aura des artistes angolais viendront chanter, des artistes angolais viendront écouter. En reviendant sur tous les objectifs, oui. Pour que les téléspectateurs comprennent chaque rubrique, oui, quelle rubrique, voilà. Pour que ça soit clair, aujourd'hui on est là, c'est pour vendre la Confédération. Okay. On nous suit partout dans le monde entier ce soir, donc on leur fait tous les détails possibles. Okay. Parce que qu'est-ce que la communication? C'est pour vendre un produit. Okay. Pour vendre un produit, il faut dans les détails très 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 professionnel. Bien sûr. Bon, là je sais qu'il y a une dizaine. Il y a une dizaine d'objectifs. Okay. Alors, il y a création de... Bon, le plus gros, c'est le centre, culturel. Ben ça, on va parler en deuxième partie. Voilà. Mais la revue, ça m'intéresse beaucoup. Création d'une revue. Bon, parce que comme nous avons autour des 100 associations,
Et il fallait qu'on ait quand même un support pour la visibilité de tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que nous avons besoin de créer ces magazines mensuels pour que ça soit une parole pour nous et notre fenêtre pour sortir tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, de ce côté-là, nous cherchons l'appui de tous les Angolais qui ont la capacité dans ces domaines, s'ils peuvent prêter les mains pour que nous pouvons réaliser ces projets. Ce serait des bienvenus. Ça, de toute façon, il fallait réunir tous les journalistes déjà angolais au sein de toutes les associations. Bon, déjà, est-ce que tous les Angolais sont inscrits dans les associations? Parce qu'on peut avoir 100 associations et ça couvre même pas la moitié des ressortissants. En tout cas, ça c'est une... Une remarque. Je pense que tous les Angolais ne font pas partie de ces associations. Mais tous les Angolais, quand ils ont besoin d'aide, cherchent ces associations. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il faut avoir une politique de statistique, d'inscription, de fichiers. Bon, c'est vraiment... C'est dans l'objectif, je pense, parmi les 10. Je l'ai mentionné. Pourquoi? J'avais dit... Who is qui? Voilà. Ça, c'est l'organigramme. Voilà. Qui est qui? Oui. Pourquoi? Parce que, bon, la priorité, c'est quand même les Angolais. Bien sûr. Et si j'ai besoin d'un maçon angolais, un maçon, pour faire des petits travaux chez moi, je saurais que non, madame ou monsieur tel, il est dans ce domaine-là. Donc, si on a besoin, l'Angola a besoin aussi de nos acquis. Si il a besoin d'un ingénieur dans tel ou tel domaine, si nous les avons, pourquoi pas pouvoir les proposer. Donc ces fichiers-là se construisent entre eux, sans faire le flicage comme certaines personnes peuvent l'interpréter. Oui. Voilà. Bon, donc le truc, il faut que de façon la priorité aux Angolais. Bon, c'est pas. Non, en tout cas, je pense que la priorité aux Anglais... Oui, ce n'est pas une ségrégation. Non, c'est une bonne organisation. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On sort de quelque part. Il faut que les Angolais se réunissent bien pour encore envelopper l'Afrique. Voilà. Hein? C'est dans ce sens que je... C'est dans ce sens-là, merci. Oui. C'est ça. Et dont la présidente est Patricia Jonsu. Bonjour, Patricia. Bonjour. Alors, je vais te demander de m'expliquer ce que c'est que Woman of Africa, WOA, qui veut dire toi, en dialecte, en quatre dialectes. Alors, Women of Africa, tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci de nous recevoir. Women of Africa, c'est ce que j'appellerais d'abord une belle aventure humaine. C'est une organisation de solidarité internationale qui a vu le jour au Cameroun, en Afrique. Donc, nous sommes au cœur donc de notre développement. Nous sommes aujourd'hui présents sur 9 pays, répartis entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, avec donc des équipes autonomes et spécialisées sur chacun de ces pays, avec des actions de solidarité internationale en faveur des femmes, des jeunes, des enfants, dans différents domaines, nous aurons l'occasion d'en parler, l'éducation, la santé, le développement rural, le microcrédit, l'entrepreneuriat, la formation et toutes les actions innovantes en faveur du développement. D'accord. Ça a été créé le 8 mars 2002 lors d'une journée internationale de la femme en vue d'apporter des réponses concrètes aux besoins des populations défavorisés en Afrique, femmes, enfants, jeunes, en favorisant leur autonomie. Ça veut dire quoi, favoriser leur autonomie? Et d'ailleurs, pourquoi pas les hommes? Il y a les femmes, les enfants et les jeunes. Alors, je pense que là, nous sommes véritablement à la source, à l'origine de la vie, à l'origine, du développement. Ça passe par la femme d'abord. Hein. La femme, c'est au sens, je dirais, littéral et originel du terme. Women of Africa, c'est donc l'essence de la vie. Bien évidemment, les femmes engendrent les enfants. C'est aussi bien les hommes, les jeunes, etc. Donc, si vous voulez, notre action, elle est bien évidemment adressée à toutes ces populations-là, mais elle est spécifiquement adressée aux femmes, parce que ce sont
ce sont elles qui sont finalement les garantes de toutes les structures de stabilité sociale, politique et économique en Afrique. Donc c'est véritablement elles qui tiennent, je dirais, pas les cordons de la bourse, quoique c'est en général vrai, mais en tout cas les cordons de la stabilité que nous voulons sur nos différents territoires. Donc les hommes sont bien évidemment impliqués, oui. Parce que je voudrais quand même préciser que quelques antennes de Women of Africa en Afrique sont dirigées par des hommes. Donc là, nous formons effectivement une équipe extrêmement soudée et dynamique. Comme tu l'as dit au début, veut dire aussi toi. Toi, c'est dans le sens général. Et on n'a pas vraiment une ségrégation d'hommes et femmes. Mais d'accord. Reconnaissons que l'Afrique, en Afrique, ce sont les femmes quand même qui organisent tout, presque tout. La stabilité de l'Afrique, comme l'a dit Omar Traoré, que l'avenir de l'Afrique, c'est dans la main des femmes. Oui, ça a toujours été comme ça. Mais pas seulement l'Afrique. Tu m'as donné le spleen. Alors, grâce à la musique, j'ai retrouvé. Mais dis-moi, comment tu as commencé la musique? À quel âge tu as vraiment découvert que tu es chanteur? À quel âge j'ai découvert moi-même? Oui. Bah, à 23 ans. 23 ans, bon, attends, 23 ans, c'est-à-dire que j'ai sorti mon premier disque. Le premier. Mais oui. Sinon, avant, même, c'est ma mère qui me racontait. Oui. Un jour j'étais perdu au village, oui. Et c'est grâce à la musique qu'on m'avait retrouvé dans la forêt. Ah donc t'es caché pour faire la flûte ou... Voilà, c'est-à-dire parce que mon oncle m'avait offert un harmonica, oui. Et qui ne me quittait jamais. Et donc comme j'étais perdu, j'avais l'âge de 5 ans, et donc et grâce j'avais ça en main toujours, comme ça ne me quittait pas, ouais. Et c'est grâce à ça, donc c'est grâce à la musique qu'on m'avait retrouvé dans la forêt parce que j'ai joué mon harmonica. Et tout seul dans la forêt, voilà. Oh. Et donc, dont la musique m'a montré que, voilà, avec la musique, on peut pas se perdre. Donc tes parents ne sont pas opposés? Ah non, ah. Puisque mon père était trompettiste à l'église. Ah. Mon père était trompettiste amateur à l'église. Ok. Et donc, ma mère était dans la chorale. Les choses merveilleuses commencent par l'église. Hein. Voilà, les choses, bah oui. Mais c'est pas que c'est bon, bien sûr, puisque l'église est là, et l'église, ça nous est venu de l'extérieur, et comme nous les Africains, on est toujours des croyants, oui. Puis même avant l'église, on croyait quand même. Croyons, bah oui. Voilà, parce qu'il y a toujours, voilà, nous sommes là, donc l'église est venue donc amener sa part de notre oui, visage, oui. Quoi. Oui. Voilà. Oui. Bon, est-ce que on peut voir un clip de Once Voilà, je crois que c'est ça qui passe. Oui. Voilà, c'est que chacun s'amuse. Tu l'as réalisé où? Alors, ce clip, je l'ai réalisé. Non, attends, on va bien suivre. Après, tu vas nous dire comment tu as fait tout ça. Bon, le temps est encore là. Ah oui, le temps est là. Là voilà. De toute façon, elle sort. J'ai rencontré celle-ci. Toutes les idées. Voilà, tous les morceaux, je vais en faire pour chacune. Voilà. Oh, super, ça c'est gentil. Pour toutes ces... Bon, je demande à la régie de passer le dernier morceau. Ah oui, oui. Pour le dernier morceau, comme ça on verra les filles, pour le dernier passage des filles, et puis... Oh,
Noël, Once vous donne la joie au cœur avec toutes ces danseuses les plus belles sur la planète qui s'appellent Renata. Sandra. Edeline. Plus belle qu'elle. Il n'y en a pas, voilà. Il n'y en a pas. Bon, voilà. Non, on rigole. Merci à Monsieur Vert. Merci à Ahmed. Merci à tout le monde. Merci, à très bientôt. Ciao. Et de la classe. Comme je peux dire quelqu'un qu'on... Ils ont dansé le soudou. Ils ont dansé le coupé décalé. Ils ont dansé le soudou. Ils ont dansé le coupé décalé.